Les artisans de la commune de Dangbo se sont réjouis ce 1er mai. C'est à l'occasion de la journée internationale de fête du travail édition 2024. Avant l'ouverture des activités, ils ont procédé à une messe d'action de grâce à l'église protestante méthodiste de la dite commune. Ils y étaient tous présents, les maîtres artisans et des apprentis, pour implorer la présence du Saint-Esprit et pour recevoir la bénédiction divine. Le délégué communal des artisans de Dangbo n'a pas manqué d'adresser ses chaleureuses salutations à l'endroit de tous les artisans du Bénin et ceux de Dangbo en particulier. Une grande réjouissance s'installe au cœur de tous les artisans de la commune de Dangbo et de tous ses arrondissements. Ont eu
lieu lors de cette organisation des théâtres et des différentes prestations. La satisfaction était au cœur de tous. La suivie et le bon déroulement des activités restent une action que félicitent les maîtres artisans à l'endroit du président du collectif des artisans de Dangbo qui a pris le soin de parcourir tous les lieux de fête. Pour l'amélioration des éditions à venir, ils font des suggestions. Président, coordinateur et Gérard à côté, Minato, c'est quoi? Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise.
Bonablo, foi terre, n'y a la foi. Bonan, Zanton, tu bonan doué. Mélonine, Nablo nous support. Mélonine, bonazon à volo togudo. Bon, Emma, il a formé, non, il a bandiba. Non, quoi, Minagano, photo bain, on est là. Mais il fait le coup de ton habit, pour donner à son village dans le même pays. Le 1er mai, encore appelé Journée internationale des travailleurs, est une occasion pour ces derniers de célébrer leur collectif et de défendre leurs droits du travail. Faut-il le préciser, la fête du travail est célébrée chaque 1er mai de chaque année au Bénin et partout dans le monde. Hey! 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 H